D'abord, il y a eu la chapelle en 1134, construite par les chevaliers d'Eppes, et elle a été rebâtie en 1384 et agrandie en 1480. Donc c'est un gothique flamboyant du XVe siècle. Voilà. Et la statue d'origine ? Comment ? La statue de la Vierge d'origine. Alors, la statue de la Vierge, rapportée par les chevaliers, a été brûlée par des révolutionnaires en 1793. Les gens de Liège ont ramassé les cendres et en 1857, on a refait une statue en ébène et on a mis les cendres de la première statue dans le pied de celle que vous allez voir là au-dessus de l'autel. Et alors donc, il y a aussi une autre statue en ébène qui a été emporté par les jésuites et avec les cendres de la première statue et a été emporté par les jésuites à Montréal à Notre-Dame de Jésus. Voilà.